Bonjour et bienvenue dans The Binding of Isaac Afterbirth Press Start. Accédez à la communauté. Bon, je vais atteindre ce qu'il y a à l'écran, c'est pas très intéressant. Aujourd'hui, The Lost, oui, bien sûr. Random. La dernière fois c'était Eve slash Judas. Aujourd'hui c'est Lilith slash va te faire voir. C'est. Je suis pas fan de Lilith. Donc la dernière fois c'était un run d'une demi-heure, aujourd'hui ça va être un run de 5 heures. Slash 5 heures. Ça commence. Ouais, j'ai mal joué, j'avoue. Mais c'est pas une raison. Alors, avec le run de la dernière fois, j'ai mal joué aussi, mais bon, j'écrasais quand même chaque salle. Oh, you can't do that. Il faut absolument que je garde Box of Friends, parce que sinon, on perd la caractéristique du personnage. Ok, je sais pas où du tout sont les ennemis. Ce que je sais, c'est que je leur fais pas mal. Ouais, on va faire un run Lilith Undefined. Ça va être rigolo. Arcano. Ewaz. Algis, ok. Encore Algis et Vision. Bon, on va garder une Algis sous le coude. Et on va tuer tous ces petits monstres. Merci les araignées. Donc une bombe, ce serait sympa. Lui, ce serait sympa qu'il explose près du truc. Mais il a pas l'air d'avoir trop envie de se mettre vers le bas. Allez. Allez. Sérieusement, il va jamais. J'essaie de le pousser. Vous voyez ce que je veux faire ou pas? Sérieusement! Non, c'est bon là. Voilà, parfait. Oula, sérieusement, l'araignée qui meurt pas. Cette misère de calcul, quoi. Ouh. Mais on y a réussi, on y est arrivé. Algis a servi. Ok, le magasin, qu'est-ce qui. Probablement rien d'intéressant. En fait. Bon. Rien d'intéressant parce qu'à 1 centime, il y a peu de chance qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Olé. Hop. Non, je l'ai poussé trop loin. Ah. Oui, car bien sûr, l'objectif était de péter le Tinted Rock. Ça va sans dire. Alors, soit on trouve assez d'argent pour que le magasin puisse nous fournir une bombe, soit on trouve une bombe, ce sera bien aussi. Ah, fonce dedans. Les spawners sur les premiers niveaux, c'est vraiment un piège. En plus, c'est ceux qui peuvent courir à cette vitesse. Ah, c'est pas une bombe ça. Boum, boum, boum. Ok. Ok. Et. Toujours pas de bombe, mais. Pas envie de me battre contre Eggman. Diplopia. Bon, bah, on va pas faire un run Undefined, on va faire un run avec Diplopia pour le deal with the devil. Peut-être. J'espère, je sais pas combien j'ai de vie. C'est le run, je prends tous les items actifs ou quelque chose comme ça. Bon, bah, j'avais encore au moins qu'un noir. Ce qui n'est plus le cas. Olé. Ah non! Il y a un spawner dans le tas. J'avais pas vu. Oh, comme ce run est très 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 différent de l'autre. Très différent. C'est de la merde pour faire ça pour l'instant. Pour l'instant, ça a l'odeur, la texture, l'apparence, l'aspect, la forme, du caca. D'ailleurs, cette salle est elle-même bien remplie. Vous avouerez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Je peux pas le toucher, je peux pas m'approcher. C'est ridicule.
On va bien sûr affronter notre boss tout de suite. Vas-y, viens, sors. Sors plus. Ah non, mais sérieusement. Sérieusement. Le gars, il sort, il se remet dedans avec leur bon. Naturellement. On pourrait aller au magasin à ce stade. 8 centimes. 8 centimes, on va probablement prendre le cœur plutôt que la... Allez, on va prendre Champion's Bell. Soyons fous. On a une bombe, on va faire péter ça et on va prendre le cœur ensuite. Ah ouais, carrément même. Alors oui, je sais que j'ai Diplopia. Mais je voulais le garder pour un deal with the devil que je n'aurais probablement pas à cet étage. Mais bon. Champion's Belt est un damage up des plus sympathiques. Je pense pas qu'il cumule si je le prends deux fois de toute façon. Ce sera à vérifier. Bien sûr, pas de deal with the devil, on a plus de bombes donc ça on peut pas le prendre. Il me faut un deal au prochain étage, sinon Diplopia ne me sert pas à grand chose. Et ce serait embêtant. Je n'ai pas de bombe. Je n'ai pas de bombe, mais j'ai plein de clés. Oh, je vole. Ça peut aider. C'est pas la réponse à tous les problèmes, mais ça peut aider. Troll bombe. Merci d'être venu. Et on avait plus de vie que ce que je croyais d'ailleurs. Je suis en train de me dire là, je vois le... Ce qui est bien. Ok. Probablement le boss par là. Technique, je me mets à l'abri de tout enchaîner. Toum 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 toum. Le boss faut pas qu'il soit chiant. Ok, eux aussi il faudrait pas qu'ils soient chiants. Voilà. Diplopia n'a pas besoin de batterie. Oh non, pas eux. Ok, on va s'occuper de piquer en bas d'abord. Ensuite les spawners, bon on va commencer par celui qui est tout seul. On a une bonne portée, ça dit, on va profiter de ça aussi. Voilà. Tant que je suis pas sur le terrain, il va pas psychoter, il va pas se mettre à courir. Ouais, j'ai fini cette phrase longtemps après la mort de l'ennemi en question, mais... Écoutez, hein, je fais ce que je peux. Là j'ai besoin vraiment de mobiliser toutes mes forces cérébrales. Parce qu'il y en a pas beaucoup, alors voilà, voilà. Du sang et des larmes, du sang et des larmes. Oui, je chante des petits slogans entraînants pour motiver les troupes. Sérieusement, ça a combien de vie ce truc? Bah ouais, merci. Chad, on devrait s'en sortir sans mourir. Sans se faire toucher aussi. Peut-être. Sérieusement. Ok, va-t'en. Olé. Pas se faire toucher. J'ai besoin de ce cœur gris si je veux protéger. Je sais même pas ce qu'il va y avoir dans le deal en fait. Donc, hein. On va voir. Voilà. Ah, c'est con ça. Parce que du coup. Cursed Eye.
Yeah! Pas eu d'item room, on va aller chercher l'item room. Ouais, je suis un peu déçu là, je m'attendais à avoir un deal qui aurait, mais genre, changé la face du monde quoi. Et à la place, j'ai eu un deal. Pas fantastique! si on devait le catégoriser, on le mettrait dans la case pas fantastique. Vous connaissez ce fameux film, les 1 pas fantastiques? C'est une parodie. Les 4 fantastiques. Je chanterai pas la suite. Ils prennent tous les risques. Désolé. Si vous avez des problèmes avec cette chanson, écrivez à Monsieur Dugrenier, prénom joueur. Qui transmettra. Ok, elle est où mon item? Me dites pas qu'elle était en haut, à gauche. J'ai pas envie de faire cette salle. Y'a plein d'obstacles, y'a plein d'ennemis, ils vont vouloir me tuer. Ils ont plein de vie et moi non. Et moi je fais pas mal. Et là pour le coup j'ai plein de vie. Mais... je pense pas que l'item room soit en bas dans la salle, derrière la salle étroite, honnêtement. Olé. Est-ce qu'elle explose ou pas cette version de la bestiole? En tout cas, pas maintenant. Oui! Une carte against humanity. What? Restons zen. Je peux pas les attaquer, eux ils peuvent m'attaquer. J'avais pas prévu que ça se passerait comme ça. Bon, on va s'en sortir, mais... ouh! Donc c'était effectivement pas là, c'était complètement con d'y aller du coup. C'est donc probablement tout à gauche, vu que c'est le seul endroit qui n'a pas été fait. Fantastique, elle était à une salle. Vous avez vu là, le machin qui pouvait pas se faire toucher par un cubus de merde là? Un cubus. L'item que c'est de la merde. En barre. En barquette. En ravioli. Et... lol 69. Cancer, ouais! J'ai eu le cancer, j'ai eu... chose que l'on ne peut dire que dans un jeu vidéo, première. Allez, donne-moi une petite pièce. Fais pas ton rat, quoi. Je veux ce cœur. Non, non, remarque, non, on s'en fout, j'en ai plein. Je veux ce... non, en fait, je le veux pas. Tu me fais chier. Et on va pas prendre Little Chad. Je suis aventureux aujourd'hui, je le fais sans. Alors... grâce à notre pouvoir du vol, nous pouvons nous mettre hors de portée de nos ennemis. Mais nous ne le ferons pas parce qu'il faut être aligné avec eux, sinon on peut pas les toucher. Ah, cette mouche! Elle a spawné en tirant, quoi. C'est horreur. Ouais, pour ça elle est morte. Allez le champion, on explose. Oh, une carte. Oh, c'est hiérophante. Oh, de la vie. Et là, je trouve Judas. Judas Shadow. Ce serait un peu... ok, Ok. C'était la salle du hockey. Ok. Ok, Coral. Ok. Le bouton en face d'annuler, c'est ok. C'est le bouton sur lequel il faut appuyer si vous voulez valider vos données. Comme je suis content qu'on n'ait pas inventé les interfaces à l'utilisateur musical. Mais alors, ouh, content. Je veux dire, quand je vois la diarrhée visuelle que je suis capable de produire en termes de choix graphique sur des trucs simples, si en plus il avait fallu faire le son, ce qu'il faudrait faire d'ailleurs si on parle d'accessibilité, ce serait horrible. Mais vraiment.
pense qu'il y aurait des aveugles qui écriraient pour se plaindre de mon site et qui préféraient que le site soit entièrement silencieux et navigable à vue pour des aveugles que qu'avec du son fait maison. Nous sommes aveugles, nous ne voulons pas devenir sourds. Ah, j'avoue, je suis peut-être un peu négatif sur mon côté créatif. Mais vraiment, j'ai vu ce que je peux faire. Et je vous assure que vous voulez pas voir. You don't want to see. Elsup, fantastique. Il y a intérêt à y avoir plein de deals with the devil qui coûtent cher au prochain boss parce que on a trop de vie et pas assez d'efficacité là. Oh, item room. On est où là? Caves to 14 minutes. Eh, boss rush, ça va être. Oh non. Ça va probablement pas être possible. Mais bon. Sans fond, on a plus Box of Friends. Depuis longtemps. Voilà, on a fait l'impasse là. Oh! Gimme! Ouais, mort Trinket Room. On n'a pas de Trinket. Allez, on va utiliser la bombe pour trouver la salle secrète. Je me demande bien où elle peut être. Utilisons notre instinct du chasseur. Bref. Pour trouver deux clés, c'est... bien... c'est bien de la merde. Pardon. C'est... parmi tout ce qu'il pouvait y avoir dans une salle secrète, j'avoue que c'était pas l'item le plus fantastique. Deux clés. Bon, après on en a pas beaucoup des clés donc c'est intéressant, mais... mais quand même, bon. D'après vous, est-ce qu'on va avoir un deal with the devil? Ça m'étonnerait moi, mais bon. On en a eu un à l'étage d'avant. Si t'es aveugle et que tu veux de l'aide, tape dans les mains. Le site 100% accessible qui n'aurait jamais dû l'être. La version pour sourds, aveugles, malentendants, malvoyants, muets, handicapés des membres supérieurs et inférieurs est disponible à l'adresse. je sais même pas de quoi je me moque là. C'est dramatique. Cela dit, sans rire, l'accessibilité des sites web, c'est un vrai problème qui va souvent à l'encontre des délires hallucinants qu'ont certains créatifs du style... quand je dis créatif, c'est créatif marketing, qui veulent... ouais, on veut des beaux machins qui clignotent, des boîtes qui s'ouvrent de tous les côtés quand on clique et tout. Ça fait pas un site plus accessible ni pour les personnes handicapées, ni pour les personnes pas handicapées du tout. Je veux dire, un site simple et fonctionnel, il peut être joli, sans avoir besoin de plein de trucs qui clignotent, de trucs qui s'ouvrent, de sous-boîtes, de sous-dialogues, de sous-fenêtres. Et voilà, je veux dire, il peut être joli et efficace sans forcément tomber dans le gros bordel ingérable. Bon, après je dis ça, mais moi l'accessibilité sur mon site perso, à l'époque où j'avais un site perso, je l'ai jamais faite parce que bah, il n'y avait pas grand chose déjà. C'est du boulot, c'est un vrai métier, hein. Faut pas croire qu'on puisse dire ouais, je mets des marqueurs pour dire dans quel ordre on clique sur les boutons et puis c'est fini quoi, c'est accessible. Ça marche pas exactement comme ça. Il y a une ou deux subtilités en plus. Il va mourir ce boss, oui. Oh là. Il y a une ou deux subtilités qui sont pas forcément compatibles avec tout ce qui est avec tout ce qui est responsive design, web 3.0, Ajax. Alors je dis pas que c'est pas faisable, je dis juste que c'est compliqué de faire un site simple qui soit 100% accessible. Alors quand on a un site complexe, bah forcément c'est plus compliqué. Oh, Goated. C'est plutôt pas mal. On est à Depth One. On a donc encore 1, 2, 3, 4 deals with the devil. On a bien une chance de choper un truc utile avec tout ça. Tant qu'on meurt pas, parce que je continue de pas faire très mal. Et d'avoir... olé, d'avoir des ennemis nombreux, avec une cadence de tir pitoyablement basse, comme vous pouvez le voir. Nos damage up jusque là sont... Champion's Belt. Voilà.
Vous attendiez la suite parce que j'ai pas mis l'intonation qu'il fallait, hein, avouez. Mais non, y a rien d'autre, c'est Champions Belt, et voilà. D'après ce que je vois après, il me semble que... Non, y a rien d'autre de ce qu'on a pris qui nous donne des dégâts. Hein. Donc voilà, faut faire avec. Oh là là. Vous savez quoi, voilà, technique du courage. Oh, le temps qu'il va nous falloir. Je vais mettre un parpaing sur cette touche et je vais aller chercher un café. Non, je vais pas le faire. Voler un café à cette heure-ci, non, mais ça n'a aucun sens. Mais... Vous voyez, le machin, il est mort, il se déplace. Genre, eh, j'en ai rien à foutre, je suis mort, mais je bouge. Balls of steel. Balls of steel. Eh, la relique. Cool. C'est du HP. Ah là là, Lilith. Avec un familier, sans box of friends, et... Vous noterez quand même qu'on s'est pas fait beaucoup toucher depuis le début. Parce que, sauf erreur de ma part, on n'a pas Combien de Conception qui a proc. Et Combien de Conception, ça proc quand on se fait toucher un certain nombre de fois. Donc, ça veut dire que ce n'est pas arrivé pour l'instant. Donc on est très très bon. Enfin bon. Olé. Olé. Encore une vague, parce qu'il y en a trois ici, monsieur. Ici, on fait les choses par trois. Les enfants, les mariages, les... Oh. Les divorces. Ça, ça devient compliqué. J'espère vraiment qu'on va trouver dans notre prochain deal with the devil quelque chose qui va considérablement... Ouch. Bon ben voilà, quand même conception d'approc. Il nous a donné... Dark Bomb, qui est un excellent item, avouons-le. Tant qu'on n'a pas 12 cœurs rouges, c'est un très bon item. Faut le tuer lui aussi. Je confonds, c'est les rouges qu'on doit pas tuer, c'est vrai. Donc Dark Bomb, bon item, qui va convertir tous nos cœurs rouges en cœurs pas rouges, en cœurs gris. Plus la relique qui va régulièrement nous donner des cœurs gris. Je dirais qu'on est bien parti. Pom 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 pom. Ouch. Ouch. Ils sont vraiment pénibles ceux-là, mais alors. En plus ils peuvent tirer à 90 degrés des fois. Quand ça leur chante. Pas aujourd'hui apparemment mais. Oh, sérieusement, mais meurs! Oh. Bon. Ok, je prends. Il est pas bien aligné parce qu'on l'a eu loin dans la file des trucs, mais... Ça reste Little Brimstone. Ça, c'est de la vie qu'on ne peut pas prendre. Ça, c'est une carte qui est utile mais qu'on ne peut pas utiliser. On va voir la pilule aussi. Amnésia, fantastique. Je crois que le boss est vers en bas. Encore des pilules. Balls of Steel, ce qu'on ne peut pas. Et ça, Power Pill. Je vais garder Balls of Steel plutôt que Hierophant. Non, vous savez quoi, je vais garder Hierophant plutôt. Non, je vais garder Balls of Steel parce que... Pareil. Il y en a une des deux qui fait apparaître de cœur gris, l'autre qui nous donne de cœur gris. Bon, honnêtement... Oh, sérieusement quoi. Le machin il était foutu de merde. Ok, il était bien invisible du coup. C'est impressionnant. Bien joué. Allez, on s'en fout, je peux pas le prendre. Si, je peux. Enfin, je peux en prendre un. Faut arrêter de dropper des... Ok, Blark. Dark Bum, trop mal aligné. Pas Dark Bum, Little Brimstone. Ouchi. Il faut encore me dropper un cœur, c'est ça? Non, c'est bon. Allez, amenez-moi au boss. Ok.
Ok, on va le faire à la main, parce qu'apparemment... il est trop loin dans la file des familiers, disait le Brimstone. Il me faudrait la laisse, là, pour le coup. Mais je l'ai pas, donc je vais faire ça. Ça, c'est... Tears down, c'est pas bon, ça. Déjà qu'on n'est pas super rapide en vitesse de l'arme. Encore un petit coup. Parfait, merci. Oh, toi tu vas t'ouvrir le ventre là. Bon bah. Ben. Oui, je suis à l'abri sur les rochers. Ah, je fais super pas mal quoi. Même avec Little Brimstone qui charge en permanence. C'est dramatique. Aïe. Olé. Il est tellement pas bien aligné. Ah, ça fait mal. Oh non. Un Andil with an Angel. Pourri. Ah. Ah. Non. Il me fallait un autre item. Il me fallait un truc bien pour augmenter toutes mes caractéristiques d'un coup. Là, j'ai eu de la purée. Ah, ce run. Il fait combien de temps? On en est à combien? À 5, 6 heures? 26 minutes, non j'y crois pas. Ça fait au moins plusieurs jours qu'on avance là. Allez toi tu vas mourir. Bon, on n'a pas notre carte qui m'énerve. Oh là, amnésie, pourquoi pas. J'ai oublié d'où jouer, dès que je trouve le boss, je sors de l'étage. Sérieusement, regardez le lag qu'il y a pour aligner Little Brimstone. Déjà, Incubus il fait pas mal, Little Brimstone il touche pas. C'est quoi mes choix là? Je suis full life pourtant en permanence, hein, mais. Et encore une. Encore une. Voilà. Dites-moi que j'ai mon boss qu'à proximité. Non. Oh là là. Bien sûr, là, on peut pas l'avoir tant qu'on n'est pas bien. Non, franchement, l'élite. Le fait d'avoir les larmes toujours décalées. C'est pourri. Que les familiers soient décalés, d'accord, mais on peut pas viser avec, on peut pas bien viser. Il y a carrément des zones où les ennemis sont pas accessibles du tout dans certaines circonstances. Donc ouais, super, il prend le monde. S'en fout, je suis full life et j'ai deux trucs de vie en plus qui traînent derrière. Prêt à partir. Sérieux, hein, j'ai Balls of Steel. Ermite, magasin. Aucun intérêt, on va prendre ça parce que c'est cadeau. On va prendre ça parce que ça coûte pas grand chose. Et évidemment le boss n'est pas là. Sérieusement, la Little Brimstone touche un peu quelque chose quoi. Juste pour me faire plaisir. C'est pitoyable, pitoyable. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? Magicienne. Allez, le boss en haut. Olé. Ah, un cœur. Ah bah j'en ai besoin, ça tombe bien. Je sais pas comment il apparaît, parce que normalement il n'y a que les bombes qui font péter les corbes, les flammes bleues, mais... Vraiment, vous avez vu le décalage de Little Brimstone tellement il est loin, il était derrière les ennemis qui me courent après, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça?
Allez, on est parti. Yeah. Qu'est-ce que ça va être le boss? Ah oui, bah oui. Qu'est-ce que ça va être le boss? Dans Devs 2. On se pose bien la question. Allez. On a 28 minutes et on a pas encore battu moi. Et on galère sur les ZAD. Tout ça pour dire. Oh là 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 là. Et on a toujours pas battu moi, mais à bientôt 29 minutes. Alors qu'on est dans le combat contre le monde. Et bien sûr, le temps que Little Brimstone il se bouge. Allez, encore un deal with... Je me suis battu pour avoir des deals with an angel. Il y a des runs où j'ai pris aucun deal with the devil. Et je n'ai eu que des salles du diable. Et là, il me donne ça, quoi. Ah, oh, Immaculate Conception. De la merde en barre. Il y a quand même un gars quelque part qui a pris des quantités phénoménales de caca, qui les a mis dans une grosse cuve, qui les a fait couler dans des petits moules en forme de lingots, qui les a pressés, chauffés, refroidis, et qui les a vendus. Ça... Je ne vois pas d'autres explications. Pour info, Immaculate Conception, c'est très exactement comme Common Conception, mais avec d'autres items, d'autres familiers plus angéliques, on va dire. Angélique, joli prénom par ailleurs. Mais... C'est ridicule. Est-ce que je prends ça? Bah en fait au bout d'un moment va falloir parce que... La patte du chat elle sert pas à grand chose. Alors pour info là il y a le boss Loki dans la salle. Loki 2 d'ailleurs. Qui est juste très chiant à tuer. Parce qu'il a beaucoup de vie. Comme vous pouvez constater. Et je m'en fous, je vais continuer de taper dedans jusqu'à ce qu'il meure. C'est un peu ce qu'on fait avec les boss. Encore un coup. Encore un coup sur lui, bordel. Car on s'en fout de la salle de combat, on va directement aller vers le boss. Non, je suis même pas sûr de pouvoir les one shot les ennemis quoi, les boss avec Brimstone, avec Little Brimstone. Il en a rien eu à faire quoi. Voilà, super, on vole, on en profite. Ouais, tout cet argent sale. Oh. Ok. Scrozis. C'était une salle qui ne savait à rien. Je me suis fait un plaisir de la dégager de mon chemin. Je veux dire, les polices et phallus là qui mettent ce qui reste sous terre 6 heures et qui sortent sur toi pour te faire un hit et retourner sous terre. Ça va, je pense qu'on s'en fout. La salle avait une chance de rapporter quoi? Une clé? Maybe not. J'ai presque envie de me faire les suicides pour aller dans la... dans la Dark Room. Attention, encore de l'argent. Qui ne sert à rien, rappelons-le. Et lui qui me donne une araignée rouge. Bientôt la fin de ce run. Mamie Gardi. Alors on vole donc on n'est pas vulnérable à son attaque principale qui est les piques. On craint pas grand chose soyons honnêtes. Et c'est une cible assez grosse pour être touché à peu près n'importe quand avec Little Brimstone. Plus ou moins parce qu'apparemment il faut quand même toucher le visage. Mais c'est faisable. On va donc l'éliminer vite. Espérer avoir un deal with the devil.
Ce serait malheureux quand même que j'ai 3 deals ou 3 salles d'ange d'affilée. Quand il y en a qui en Afrique qui n'en ont pas une seule. C'est techniquement pas forcément faux ce que je raconte. Oui, arrête de cracher, c'est sale. Bah voilà! Ça va être Krampus. Même pas! Oh! Pas Krampus! Bon, je vais le prendre. Alors, pour l'instant, ça ne me booste en rien, mais peut-être. Je dis bien peut-être qu'au prochain étage, j'aurai un deal qui sera payant. Dans le sens où ça m'enlèvera mes deux derniers cœurs rouges. Je vous préviens, s'il y a une des deux cartes, c'est Joker, je l'utilise tout de suite. Ouch! Vous voyez, je peux même pas aligner un cubus proprement sur des flammes sans me faire toucher. Fantastique. Toi fart, aucun intérêt. Et Rules Card. Peu d'intérêt. Ok, donc. Voilà. Merci. J'ai aucune envie de me faire les salles les plus pénibles du monde. J'ai 13 bombes, je vais en profiter. Salle 3, je roll tous les... Sérieusement. Parce que vous savez quoi, je vais vous faire voir. Je roll tous les... Sérieusement. Oui, en plus je me suis coincé. Donc salle 3, reroll tous les consommables dans l'étage. Comme ça. Salle secrète numéro 2. Sérieusement, je me prends tellement de dégâts bêtes là. Je dois être seulement tombé en termes de vie. Locali, je suis full life là. Vraisemblablement. Parce qu'avec ça et Humbling Bundle, enfin avec cette salle et Humbling Bundle, il va me lâcher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cœurs. Et je peux pas tous les prendre, bien évidemment. Je veux dire, vous avez vu la masse de cœurs qu'il m'a droppé. Ah mais je vole. J'étais carrément dans mon truc. Hein. Oh j'aurais pas dû prendre ça. Oh, pas bon. Mauvaise stratégie. Parce que du coup si j'ai un droit à des deals with the devil, ça va m'enlever comment ça s'appelle, un petit vaisselle. C'est pas grave. Le boss est par là. Eux ils volent donc on peut pas vraiment se protéger sur les trucs. Mais enfin, en même temps c'est en vie normale, je crains pas grand chose. Même avec Lilith. Voilà. Il faudrait un moyen de me débarrasser de du Soul Heart que j'ai pris. Même pas. Meurs. Voilà. C'est à ça que ça sert. D'avoir. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Choubdaou. Merci la bombe. Ça, faut qu'il arrête de lâcher des cœurs partout. Ouch. Bon, c'est pas grave, je tank, il y a de la vie partout dans le niveau, on a 37 minutes. Voilà.
pas m'embêter avec ce genre de détails, j'ai Balls of Steel sur moi. On va avoir un dernier deal with the devil qui contiendra Krampus probablement. Ça y est. Fallait bien que ça arrive un jour. Aïe. Et il va mourir. Et il va nous donner Krampus' Head que je ne veux pas. Bon, je vais me remplir la vie au maximum. 1, 2, 3. Et j'ai pris cher quand même. 3. J'ai pris 3 coups. Et donc, c'était le deal with the devil le plus inutile de l'univers. On s'y fera. Donc, on arrive dans cathédrale avec de la purée dans les mains. Voilà, je tiens à dire ça. On a des dégâts pitoyables. Et c'est pas parti pour s'arranger. J'aime pas ces runs où il y a que The Chest qui peut éventuellement nous racheter complètement le truc. Sinon, parce que ça veut dire que tu galères pendant tout le truc à la fin. Sérieusement. Regardez, je peux traverser tout l'écran avant que Little Brimstone ne réagisse quoi. Alors, on va aller par là parce qu'on gagnerait pas du temps à aller en dessous. Même pas mal. Sérieusement, il faut combien de temps pour tuer un de ces trucs avec Little Brimstone quoi. Meurs, non. Ah, j'ai encore trop de vie qui traîne. Pauvre de moi. Là j'ai calculé pour qu'on échoue d'abord pour le boss, même si ça changera pas grand chose au final. Regardez Little Brimstone, il est toujours derrière. Et jamais il s'arrête de courir lui. Il y a un Cubus qui continue de pas faire mal bien sûr hein, on notera. Yeah. Pom 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 pom. Sérieusement, arrête de te rendre invulnérable, ça m'en fout ça. Les ennemis qui peuvent se rendre invulnérables à volonté quoi. Genre non, là tu peux pas me toucher. Pourquoi? Allez, pas bas. Voilà. On est toujours full life. Bon. On va charger Little Brimstone. Et voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait, maintenant c'est guerre d'attrition. Aïe. Qu'est-ce qui me drop encore des... C'est quoi qui m'a droppé ça? L'ange, je crois? C'est très bizarre. J'ai un item sur moi qui m'a droppé un Eternal... un Eternal Heart. Je trouve ça très étrange. Il a eu le temps de spawner d'autres trucs. Non mais sérieusement. Non mais faut arrêter quoi, je peux pas m'occuper des adds s'il les fait apparaître plus vite que je peux les tuer quoi. Allez. Non mais meurs. Sérieusement, il a le temps de rebouger après son attaque tellement il est... Tellement on fait pas mal quoi. Ça arrive jamais ça d'habitude à ce stade. Et on peut pas arriver à ce stade du jeu et avoir ces dégâts là, c'est-à-dire c'est ridicule. Là j'ai l'impression d'avoir des gros dégâts mais uniquement parce que j'ai pris de... Comment ça s'appelle? Parce que je m'en suis pris plein la gueule, c'est tout. Et que j'ai
Bloody Lust ou Lost Steel. Non, j'ai Big Lust, quoi. Et ça marche que dans la salle, bien sûr. Enfin, je crois que ça marche que dans la salle. Enfin, dans tous les cas, s'il faut que je perde toute ma vie pour faire des dégâts, c'est pas rentable, quoi. Non, ça reste sur tous les étages, en tout cas, ça c'est pas mal. On va se refaire le plein de vie avec ce qu'on a qui traîne. Et c'est tout. Je sais que j'ai Balls of Steel, mais je vais la garder pour plus tard. Le chest qui va peut-être racheter le run. Et peut-être le foutre au feu avec Curse of the Blind. Non. Bon, après, il suffit d'avoir des items pourris et ça fait pareil, hein, au niveau effet. Par exemple, ce qu'on a là, c'est pas fantastique. Ok, j'ai chopé une mouche, ça a fait exploser la salle secrète. C'était à peu près ce que je voulais faire, mais à la main, donc c'est cool. Olé. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on a là? Pin. Ouais, plein de pins. Oh, il met à part dessus, non mais. Un de moins, peut-être deux de moins si j'ai bien compté, non, un seul. Voilà, tout le monde est mort. Tiens, up. Ah bah, il était temps. Je vole donc je n'ai pas peur du cri. Au passage, est-ce qu'on a. J'allais dire, est-ce qu'on a Common Conception qui a payé avec un autre truc, mais je crois pas. Allez, ah. Voilà, ça c'est bon ça. Finalement, je suis obligé de tirer à l'opposé de là où je vois l'ennemi pour que Little Brimstone le touche, quoi. C'est pas ridicule ça? Bon, on va y arriver. On va y arriver. Après j'ai plein de vie encore, hein, mais... Et j'aimerais autant que ça meure. Enfin, combien il y a de mouches là, franchement, quand je pense pas. Mais ça, arrêtez de faire spawner. Ils sont pas... Il y en a aucun des deux qui est mort, quoi. Toujours pas. Ah bah si, hein. Alors que l'autre est déjà presque mort aussi, donc c'est des ridicules. Non. On va pas prendre number 2. Parce que c'est pas une bonne idée. Et donc le chest n'aura pas du tout racheté ce run, hein, ça reste pourri. Voilà. On va bien sûr tenter la salle secrète. Ce serait dommage de pas essayer. Heureusement que je vole. Hein. Parce que là, le creep, sinon. Il y en aurait eu partout dans mes pattes. Oh, ce troll de la salle secrète qui sert à rien. Alors, on va essayer de le tuer. On va arrêter de se prendre des coups comme ça, bien sûr.
Et... Ah, attendez, mais là il laisse... Genre j'aurais même pas pu m'arrêter même si j'avais su qu'il allait apparaître là quoi. Bon, on va gagner c'est clair mais c'est vraiment pas le run qui fait plaisir quoi. C'est dommage parce que il y avait du potentiel mais on n'a pas eu les deal with the devil. On a eu 3 deal with an angel, non mais sérieusement quoi. Avec des cœurs, common conception et je prends encore des cœurs. Des cœurs gris, un cœur blanc et... Pas de la merde quoi. Allez, meurs. Sérieusement. Genre, voilà, on a eu beaucoup d'anges alors que ça servait, ils ont, qui ont servi à rien. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça reste une victoire. 2 victoires à la tour d'affilée. Très bien. Allez, à plus.